se passe bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme tous les jours, comme tous les week-ends de match de, je veux dire, de l'Olympique Lyonnais. Pas comme tous les jours, parce qu'évidemment, je ne fais pas des vidéos tous les jours. Voilà, la débrief entre le match de l'Olympique Lyonnais et la venue de l'Olympique de Marseille qui est venu se déplacer à Lyon ici. Et une débrief assez, on va dire, assez triste, puisque, comme je vous ai déjà dit, moi j'aime bien les supporters marseillais, j'aime bien, je veux pas le mentir que j'aime bien les supporters marseillais. Là, sur le coup, les supporters de Lyon, c'est pas que j'ai un doute, je sais qu'il y en a des supporters qui aiment très fort Lyon, qui sont là, toujours dans leur match, il y en a beaucoup qui sont là pour l'Olympique Lyonnais, mais là, j'ai vu que, voilà, c'était... j'ai compris que, voilà, c'est peut-être pas les meilleurs supporters du monde, les supporters de Lyon, c'est peut-être pas les meilleurs supporters, évidemment, du championnat de France, exactement. Voilà, je préfère le dire vraiment, quand on voit les supporters du PSG, par exemple, ou de Marseille, ou bien de Nantes, ou bien de Rennes, etc. Bon, après, je ne veux pas comparer les supporters, mais je veux quand même dire que vraiment, là, j'étais déçu par le comportement de certains supporters, malheureusement, qui étaient fâchés et qui étaient vraiment dans ce match à découdre avant que le match soit fini, même bien avant que le match soit à la fin du match. Le match était déjà KO. C'est quand je dis KO, c'est qu'au bout du début du match de Marseille-Lyon, on voit bien des supporters qui sont là, qui supportent, mais on ne comprend pas quand Lyon prend un but, pourquoi on ne supporte plus Lyon et qu'on se concentre à regarder les supporters marseillais pour essayer d'en découdre. J'ai été déçu par ça parce que je ne vois pas pourquoi on regarde les supporters de Marseille puisqu'ils se sont déplacés pour encourager leur équipe, même s'ils ne sont pas en plus gros nombre, je vois bien que là c'était... Le peu qu'ils étaient là pour supporter dans la grille, les visiteurs qui étaient là pour supporter Marseille étaient là pour juste supporter leur équipe. Ils n'étaient pas venus forcément pour en découdre, même s'ils se défendent, oui, c'est sûr. Lyon a fait son match, oui, certes, pour moi, a fait son match, mais a été dominé, évidemment, dans tous les domaines. Pour moi, je dirais dans tous les domaines, que ce soit dans le jeu et que ce soit dans les supporters, Lyon a été dominé, puisque quand je vois ce qui s'est passé là où j'étais placé, évidemment, en train de regarder le match, j'étais vraiment déçu, puisque c'est la première fois que je vois un Lyon-Marseille. Comme je disais à mon ami, c'était la première fois que je vois un match presque. Tellement j'étais heureux de voir ce match, mais là, j'ai vite enchanté dans ce match, j'ai vite fait enchanté, j'ai vite été déprimé puisque j'ai vu le comportement des supporters, en dehors du stade, mais dans le stade. J'ai vu que là, j'étais au bout de ma vie, c'est tout, c'est le cas de vous le dire, j'étais au bout de ma vie. Je vois, on supporte le match, etc. Je vois un Lopez qui essaie de dire aux supporters de évidemment, je pense que vous avez dû voir le match, de supporter, de les encourager, et ça n'a pas été trop le cas de ce côté là où j'étais. C'était le cas, mais pas tout le monde était pareil. Et tandis que les autres tribunes étaient pas, il n'y avait pas le même cas, il n'y avait pas la même ambiance. Donc voilà, c'est ça que j'ai souligné dans ce débrief, que j'étais déçu. C'est la première fois, je vous dis, c'est la première fois, peut-être pas la dernière fois, je pense pas, mais c'est la première fois que je veux voir Lyon-Marseille dans ce stade des Nuneurs Groupama. J'étais excité, moi. Je disais, ah, ça va être un match nul, tout ça. Ben non, c'était un match à bagarre. Ça veut dire, là où j'étais installé, là où je vous mettre une petite vidéo, là où que j'étais en train de filmer, bon, là où je me suis rapproché pour filmer mieux le stade, cette vidéo-là que je vous montre, cet endroit là où j'étais, c'était le spectacle de la bagarre. Ça veut dire que là, c'était je pouvais en prendre une. Je pouvais prendre des coups. C'est sûr que je pouvais prendre des coups, parce que là où j'ai vu quand le but de Marseille a été lieu, dès que Marseille a marqué, ça s'est tout de suite excité.
très peu à mon moment. Et du coup, c'est pas que j'ai ressenti de la peur, c'est juste que j'ai ressenti que, mais non, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a qu'un 0, mes amis. Je comprends pas, il n'y a qu'un 0. Il n'y a pas 10 0. Je sais pas pourquoi tu vas t'énerver, il n'y a qu'un 0. Moi, je comprends pas pourquoi tu t'énerves à 1-0. Calme-toi, le match est qu'au début. Tu es à la deuxième mi-temps, tu perds 2-0, 3-0. Oui, je comprends que quand même t'es énervé. Mais à 1-0, il y avait déjà la panique. On voulait déjà en découdre avec les supporters qui étaient en haut. Bien sûr, j'entendais, puisque moi j'étais avec mon club, et j'entendais tous les gens de mon club, de FC Gerland, qui disaient, ah mais c'est pas normal. Pourquoi les supporters, les hooligans, ils veulent en découdre alors qu'ils sont en haut? Comment vous voulez voler? Vous voulez voler pour aller en haut pour essayer de se taper et se fighter avec eux? Je dis quand même, soyons raisonnables. Vous voyez bien que vous ne pouvez pas. Ça sert à rien de s'exciter, d'essayer de les frapper. Puisque c'était mort. Tu vas voler, ils sont en haut, ils sont dans la grille, les supporters de Marseille, tu peux rien faire. Et ils ont fait leur taf de supporter leur équipe, c'est tout. Et voilà, c'est ça qui m'a fait un peu bizarre. Voilà, c'est la première fois que j'insiste à ça. Je sais que j'insiste à ça d'habitude devant l'écran. Mais là, j'étais en direct, donc là, je ne savais plus quoi dire. Je me dis, mais il n'y a que 1-0, je comprends pas. Je comprenais pas, je les regardais. Je ne comprenais pas pourquoi tous les hooligans, tout ça, les supporters, les hooligans lyonnais commençaient à courir. Ils étaient en groupe, à vite passer devant pour essayer d'en découdre avec les supporters. Moi, j'étais juste à côté de l'action. Ils étaient au moins peut-être, je ne sais pas, on va dire 20 hooligans, on va dire 20. Ils étaient 20 peut-être, je ne sais pas si c'est pas plus, parce qu'il y avait d'autres qui étaient un peu plus loin. On va dire 10 ou 20, c'est ce que j'ai vu. Mais bon, voilà, c'était de la folie ce match. 1-0, ce n'est pas fini. Et puis voilà, et dans le stade, il y avait aussi le jeu qui n'était pas terrible. Bien sûr, il n'était pas terrible, parce que Lyon jouait son match. Il y avait quelques petites contres de Bargola, que vous voyez Bargola qui essayait de faire son match, mais c'était compliqué. Il y avait Nanavé qui était motivé quand il y a Bargola qui montait. Cherki, je ne sais pas à quoi il sert même en ce moment dans ce match, puisque Cherki, dans les gros matchs, on ne le voit pas, mais si tu mets un Lyon-Toulouse, là tu vois Cherki qui fait deux passements de jambes et qui marque. Moi, je ne comprends pas ça. Je ne sais pas. Pourquoi Paris vous le voulez? Je ne comprends pas pourquoi Paris veut Cherki. C'est un joueur qui n'est pas là dans les grands matchs. Encore Alexandre Lacazette, dans les grands matchs, il est là. Là, certes, il n'a pas, c'était pas extraordinaire, mais il était là. Lacazette était là. C'était le seul qu'il y avait. Après, Cherki, à part faire deux dribbles dans les gros matchs, il n'est pas forcément là. Là, il n'était pas là. Donc voilà, j'ai à dire ça, voilà. Après, l'interpartition, je n'arrive même pas à le dire tellement je suis excité. L'alerte qu'il y a eu entre Lopez et les supporters, évidemment, on voit que Lopez, je sais pas, reste dans ton travail, je ne comprends pas, reste dans ton travail. Tu fais gardien, tu sautes, tu sais très bien que tu sauves Lyon, tu es là, tu sauves Lyon. Pourquoi te fighter avec les supporters? Je ne comprends pas pourquoi il va se fighter avec les supporters. Tu fais ton match, tu sais que tu es le boss, pour importe. Il n'y a pas 5 à 0. Pourquoi il n'y a pas 5 à 0? Puisque Lopez, puisque toi-même Lopez, tu étais là, tu as arrêté des buts. Même moi que j'ai vu un but à un moment donné, je me suis dit, je ne parlais même plus, je dis c'est fini. Ouais. Et c'est le troisième, il a arrêté. Il a fait son travail. Pourquoi il est là, il va se fighter avec des supporters? Ceux qui ne sont pas contents de toi, tu laisses, tu les mets de côté. Et ceux qui sont contents, tu t'es battu pour eux. Voilà, tu t'es battu pour ceux qui sont vraiment lyonnais et qui sont vraiment l'amour du club et qui sont heureux de voir que Lopez a fait un match. Si Lopez n'a pas arrêté ce tir-là, on aurait pris peut-être 2, 3, 4, 0. Donc voilà. Voilà, je ne veux pas partir dans les cours. J'étais énervé, oui. Je suis énervé encore de ce match. C'était le premier match que je vois entre Lyon et Marseille. Voilà, certes, on a perdu des points. On ne serait pas européen, bien sûr. Lyon ne serait pas européen, ça c'est sûr. Lyon va jouer peut-être que le championnat l'année prochaine, c'est sûr, et la Coupe de France, mais pas d'Europe, peut-être la cinquième place, mais on est mal parti et je pense que Lille ne va pas lâcher et Rennes ne va pas lâcher. Donc tous ceux qui sont en haut de nous ne vont pas lâcher. Je pense que la cinquième place serait vraiment morte pour Lyon. Donc voilà, moi je dis, tout ce que j'ai à dire, c'est que voilà,
C'était un match qui avait commencé un peu timidement, tranquille, mais voilà, c'était un match pourri. Il faut le dire, c'était un match pourri. Je suis allé voir un Lyon-Marseille pourri. Peut-être que je me rattraperai en 2024, peut-être que je verrai un match de Lyon-Marseille qui serait mieux. Mais bon, voilà, j'étais bien servi, comme quoi je sais, à Lyon, les supporters de l'Olympique Lyonnais ne sont pas les meilleurs supporters de France. Ça, voilà, je le sais, je l'avoue, c'est pas les meilleurs supporters. Les meilleurs supporters pour moi, on les voit chez Marseille ou chez Paris encore. Après, chez les autres, nous, on est peut-être les derniers des derniers des supporters qui sont bien au championnat de France. Voilà, au niveau supporter, on n'est pas top à Lyon. Au niveau équipe, quand on est bas, tout est bas. C'est-à-dire supporter, tout est bas. Donc voilà, il faut dire la vérité, Lyon, c'est pas sa meilleure saison. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous rappelle que les vidéos dégustation tacos vont pas tarder à commencer, vu que les bons moments, les bons temps commencent à venir et commencent à faire beau. Moins de pollution dehors pour le moment. Le pollen est là, mais bon voilà, on va dire, si, il y a un peu toujours plus de pollution, mais bon voilà, c'est juste dire que je veux reprendre les vidéos tacos, voilà, avec ces déceptions de l'Olympique Lyonnais, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. La vidéo, je suis désolé que c'est lent, ma débrief, puisque là, je suis un peu vénère, un peu, je suis énervé, ça se voit pas, je suis énervé, et dans le stade, j'étais un peu, je suis parti à un partout, et je suis arrivé au tram, et le moment que je rentre dans mon tram pour rentrer chez moi, il y a le 2 buts à 1, Marseille qui prend sa deuxième place, normal, de toute façon, ils l'ont mérité, Marseille. Je dis félicitations à Marseille, ils l'ont mérité. Ils sont battus, c'est Lyon qui a fait un jeu, on va dire, n'importe quoi. C'était pas le jeu motivation, on veut gagner, on se concentre sur notre travail. Non, on est un peu. C'était n'importe quoi, franchement, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est un match n'importe quoi avec le gardien Lopez qui, au lieu de faire son travail, il s'occupe de ce qui est supporter. Non, tu ne dois pas faire ça. Tu dois t'occuper de ton travail déjà, tu le fais bien, tu arrêtes tes buts, tu sauves beaucoup Lyon. Pourquoi Lyon est 7e aujourd'hui? C'est puisque le gardien a sauvé beaucoup d'arrêts. Donc voilà. Pourquoi Lyon est comme ça? Donc voilà. Les supporters, les meilleurs supporters ne sont pas à Lyon, ça c'est sûr. Il y a un bon camp de supporters à Lyon qui sont extraordinaires, il n'y a rien à dire. Mais ce n'est pas les meilleurs supporters de France, Lyon, ça c'est sûr. Faut bien qu'on soit d'accord. Les vrais supporters de France ne sont pas à Lyon. Voilà. C'est ça, c'est sûr. Voilà, pour moi, c'est sûr et certain. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Moi, je suis.